Donc première chose que tu dois savoir, c'est que ceux qui payent le plus d'impôts, c'est les personnes qui sont sous l'impôt sur le revenu, ok ? L'impôt sur le revenu. Donc si jamais ce qu'on appelle l'IR, tu vois, l'impôt sur le revenu, donc IR, si tu es sous l'impôt sur le revenu, c'est là où tu vas te faire défoncer. Ça, c'est clair. C'est juste ça la base. Moi, j'avais découvert ça, par exemple, en lisant Père riche, père pauvre, le livre. Donc si tu l'as pas lu, mec, c'est la base, gars. Faut que tu commences. Tu peux pas dire que tu veux être libre géographiquement, indépendant financièrement et t'as pas lu ça. Parce que tu vas faire de l'argent, mais après tu vas le perdre. Donc ça, c'est encore un autre délire. Faire de l'argent et après l'investir, le multiplier, c'est des trucs complètement différents. Tu vois, c'est comme un gars qui fait de la musculation, mais il fait pas la diète. Tu vois, ça va pas aller, les gars. Bon, ça, je referme la parenthèse. Donc l'impôt sur le revenu, je te disais, c'est là où tu te fais défoncer. Et moi, à l'époque où j'avais découvert ça, c'est quand j'allais passer en tant qu'infirmier libéral, ok. Et à l'infirmier libéral, j'ai calculé vite fait. J'ai dit, bah attends, mais moi je suis sur l'impôt sur le revenu là. Comment on fait, ok. Et donc j'ai compris qu'il fallait tout de suite que je sois sur l'impôt sur la société. Donc tu vois ça c'était juste un livre. Donc, t'imagines comment c'est important. Imagine, tu lis plusieurs livres comme ça et ça peut changer ta vie. Donc juste parce que j'avais lu ça dans Père riche, père pauvre, j'ai dit, ok, là je à l'impôt sur le revenu, il faut absolument que je vois comment être à l'impôt sur la société. Tu vois, j'ai pas écouté les croyances limitantes qui disaient, ouais, on peut pas être à l'impôt sur la société, enfin, ouvrir une société en tant que libéral, etc., etc. J'ai pas écouté, je me suis dit, attends, si jamais je travaille, je peux être, changer mon régime, si je veux, et être en société. Donc j'ai cherché, etc. Regarde mon histoire, si jamais tu veux voir dans l'accueil de ma chaîne YouTube, où j'explique vraiment en détail. Et du coup, bah, je me suis mis en impôt sur la société. Parce que l'impôt sur le revenu, tu paies 50%. 50%, et si tu calcules tout, ça veut dire impôt sur la société, les charges sociales, d'accord, les charges sociales, c'est l'argent que tu vas te verser sur ton compte personnel, parce que sache que l'argent que tu as sur ta société, tu peux pas utiliser faire des courses, faire ce que tu veux, acheter tes vêtements, non, tu peux pas faire ça, ok. C'est parce que c'est pas ton argent personnel, c'est comme si c'était une autre personne, c'était l'argent de quelqu'un d'autre, ok. Donc l'impôt sur la société, enfin l'argent qui est sur ta société, quand tu veux du coup te verser un salaire sur ton compte perso, donc tu veux faire un virement sur ton compte perso, crois pas, tu le fais comme ça, tu prends l'argent, tu fais un virement. Non, il y a des charges sociales, mon gars. Donc si jamais tu veux par exemple te verser 1 500 euros, bah c'est limite, tu dois te verser 3 000 euros. Donc tu dois sortir 3000 euros de ton compte société, payer 1500 euros de charges sociales et recevoir 1500 euros, ok, sur ton compte perso. Ok, une fois que tu as ton compte perso, tu payes l'impôt sur le revenu. Donc tu vois le truc de ouf. Et je t'ai dit, l'impôt sur le revenu, ça peut être 50% si jamais, par exemple, tu es sur le net, par exemple, tu n'as pas de charges à déduire. Exactement. T'as quoi? T'as un truc internet, c'est fini. Donc là, tu vas te refaire manger 50%. Ok, et évidemment, il y a la TVA. Tu prends 20%, machin, et toutes les taxes cheloues qu'on ne comprend pas qui tombent sur toi. Ok ? Donc, en gros, quand tu es sur l'impôt sur le revenu, tu te fais défoncer, tu te fais enlever 50-60% de tes revenus. C'est pour ça que les gens vraiment qui se font, c'est la vache à lait de l'État, c'est toutes les professions libérales. Les professions libérales, parce qu'ils font des gros chiffres d'affaires, et du coup, vu qu'ils ne sont pas en société, bah, ils perdent au moins 50-60-70% de ceux qui touchent. Et aussi tout ce qui est petite entreprise, en fait, tout seul, les travailleurs autonomes. Tu vois, c'est eux qui charbonnent le plus, mais c'est eux qui se font laminer. Donc, ce qui m'amène du coup à la deuxième façon de payer le moins d'impôts possible, c'est d'être à l'impôt sur la société. Ok, j'en ai commencé à en parler sur seulement un petit peu mon introduction qui a duré je sais pas combien de temps, super longtemps. Mais pour te dire que voilà, quand tu es à l'impôt sur la société, bon bah tu vas payer en moyenne 30% d'impôts. Ok, donc déjà il y a une grosse différence entre payer 30% et 60%. Tu gagnes quand même 30% là déjà. Donc déjà, du coup, juste parce que tu es en société, tu as réduit drastiquement ton impôt. Et comme je te le dis souvent, ou que je te le répète souvent, les gens qui deviennent riches, ils ont une société. Ok, tu deviens pas riche en étant employé. Logique, les gars, ils sont en société. Donc déjà, ils payent moins d'impôts. Ils payent moins d'impôts que toi déjà qui a l'impôt sur le revenu. Alors évidemment, si t'as un petit salaire, du coup, tu vas pas payer beaucoup d'impôts. Mais tous les gars qui commencent à arriver à 2500, 3000 euros, ils se font défoncer aussi. Donc déjà, quand tu es sur l'impôt sur la société, déjà tu respires un peu. Voilà. Mais maintenant, il y a toujours le souci, c'est que l'argent de la société, comme je te l'ai dit un peu, c'est que tu peux pas utiliser l'argent. Tout l'argent qui sort de ta société, tu dois justifier par des factures. Tu peux pas sortir l'argent comme ça. Hey, là, non, ce sera trop facile. À chaque fois que tu sors de l'argent de ta société, il faut une facture qui justifie ça. Et du coup, tu dois te faire accompagner d'un expert comptable. Tu es obligé d'avoir un expert comptable parce que c'est lui qui va faire la déclaration. Donc, c'est intéressant, c'est super intéressant pour des gens qui ont le même mindset que nous d'avoir de l'argent sur la société. Parce que, au lieu de te le verser, toi, tu vas te verser un petit salaire, tu vois, juste pour pouvoir vivre normalement. Et avec l'argent qui est dans la société et qui reste là, tu te fais juste imposer à 30%. Et tu vas commencer à investir, placer ton argent, que ce soit pour acheter de l'immobilier, que ce soit pour investir en bourse, etc. Parce qu'au mieux que cet argent-là, ben, les 30% que tu aurais peut-être donné à l'État, bah, ces 30% là tu vas pouvoir investir dans des actifs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, mon gars.